Viking, j'espère que vous allez bien, c'est votre fidèle serviteur Kyoshin pour l'épisode numéro 4 du Let's Play Resident Evil 8 Village. Si vous avez manqué l'épisode numéro 3, allez voir juste sur ce lien que j'affiche maintenant. Regardez-le avant parce que vous allez pas mal être spoilé dans l'épisode numéro 4. Allez, dès maintenant même je vous spoil, aucune pitié. Dans l'épisode numéro 3, nous avons enfin réussi à tuer une des filles de Daniela. C'est tout simple, il faut juste buter une fenêtre, enfin buter, casser une fenêtre plutôt. L'air passe, je sais pas encore si c'est l'air ou la lumière qui les fait geler comme ça. On n'a plus qu'à tirer dessus et c'est terminé. Le plus compliqué, c'est quand on se fait attaquer par une de ces filles. Il suffit juste de trouver une fenêtre. Mais je pense que le jeu va pas être très sympa avec nous. Ils seront assez compliqués à trouver. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode numéro 4? Je ne le sais pas. On va se le découvrir ensemble. Peut-être encore de bonnes frayeurs. Ou juste peut-être pas du tout. Là, on a récupéré aussi, je vous le rappelle, dans l'épisode numéro 3, la bouteille de vin sang de vierge. J'espère juste que c'est pas vraiment du vrai sang de vierge qu'il y a dedans. On va le découvrir. On pourra le mettre dans son sac. Ça va ouvrir autre chose. On a récupéré aussi un crâne de cristal et un corps de cristal également. À quoi ça sert? Je pense pas que c'est pour les statues du hall d'entrée au niveau du manoir. Je pense que c'est pour autre chose. On va découvrir ça tout de suite dans l'épisode numéro 4 du Let's Play Resident Evil 8 Village. Let's go! Allez les Vikings, c'est parti donc pour cet épisode numéro 4. Allons d'abord acheter tout de suite, comme on l'avait prévu, le plan des chevrotines pour le fusil à pompe. Salut toi, comment tu vas? Oui, bien sûr, j'ai envie d'acheter... Ah non, j'ai pas mis le son du jeu. Kyoshin, Kyoshin, Kyoshin. Et 6470, et moi je veux, c'est le plan l'atelier. Le plan, et c'est où le plan? C'est là le plan. C'est un investissement, Ethan. Formule, c'est ça, formule cartouche. Et c'est parti, on achète ça. Un choix intéressant. Let's go, c'est très très bon tout ça. Atelier, est-ce qu'on peut upgrader un peu? 3000 cadences de tir ici, non. Non, 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 ça non, c'est pas intéressant. Tac, 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 rechargement, capacité. Non, on arrête là, on garde, on est... Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je me fais prendre une seule magique. Ça j'ai envie, ouais. Chevrotine. Oh, quand même 3 pour 3000. Et ouf toi, 3. On arrête là. Bonne journée. Allez, on va mettre la bouteille de vin dans l'emplacement. Voilà, ça c'était pourquoi ça. Ça on le fera après. Les bouteilles de vin dans l'emplacement. J'ai baissé un peu mes accoudoirs. Hop, ils sont un peu hauts. Et c'est parti. Et ouais, mais attends, avant je vais vendre les trucs. Oui, parce que regardez ce qu'on a récupéré, le crâne de cristal là et le... Là, donc fragment de cristal, crâne de cristal, bus de cristal et collier d'Ingrid, c'est pour vendre. Pour vendre, du coup on va vendre. Ah oui, oui. Qu'est-ce que t'achètes? C'est ce qu'un vieil ami avait l'habitude de dire. Tac, tac, tac. Rocher non, mais non. Très bien, j'achète. 13 000, ça c'est pas mal ça. Du coup, on peut peut-être upgrader un peu ça, la puissance de ça. Yes, ça on va le faire. Un instant, je vous prie. Capacité. I. Un instant, je vous prie. Parfait. Et... Comme ça, on est pas mal, il n'y a plus que la cadence de tir et on est à full sur le Lemmy. Bonne journée. Oh oui, 39 balles. 39 balles, génial. Génial ça, c'est parfait, 39 balles. Hop, le micro. Tac, on va essayer de l'incliner un petit peu. Pif, pif, pif. Alors, où on va maintenant? C'est où ça? C'est en haut, je crois, le sang de vierge. Chimique. Et on n'avait pas ramassé, c'est que
Au fur et à mesure, ils remettent des choses dedans. Pas si con que ça, ces modeurs. D'accord, c'était où ça? Là où était Daniela. Ouf. On fout, on n'ira pas. À 4 cachés sous les draps. On commande André Pizza, toi la télé et moi. Benabar, tu nous manques, Benabar. J'adorais cette chanson quand elle est sortie. J'écoutais tout le temps et je la chantais tout le temps, même si je sais pas chanter. Ah là. Yes, c'était si. Et allons-y, on pose. Non. Yeah. Qu'est-ce qui se passe? Ça ouvre une porte. Non. Ah. Oui. La clé de la tour. Génial. C'est pas pour mettre dans la maquette du château? Peut-être, je sais pas. La tour. Là, il y avait une fille, Daniela, toute la fois dernière ici, hein. Voilà. Pas la bonne clé. La dernière. Putain, quel sens d'orientation que je peux avoir quand même, hein. Je suis nul sur ça. Oh. Lubu, vous le direz aussi, hein. Je suis nul à chier. Quand on a fait Dark Souls ensemble, j'étais paumé tout le temps. Du coup, je suivais comme un petit chien. Là, je suis paumé, je sais pas, c'est là-bas. Où cette porte de la tour là? Et je trouve qu'il est sombre le jeu, on voit pas grand chose. Est-ce que je peux peut-être régler la luminosité? Ah, c'est mieux. Ah oui, là on voit là maintenant. Bon, je vous ai coupé ce passage là où je règle la luminosité parce que c'est pas très intéressant pour vous. Mais moi je vois mieux. Je te fais visiter. Oh putain. Il n'y a pas de couleur, ça aussi. Mère te trouve rance, mais je pense que tu es libre. Oh, j'ai tellement soif. J'ai bien pas fait, fais la malique, toi. Qu'est-ce que ça fait? Allez, suis-moi, viens. Je vais te couper. Ma gorge, elle est si sèche. Merci. On va prendre du Doliprane. Je sais pas où aller, hein. Je suis complètement paumé. Oui.
Je suis reparti là où j'étais la fois dernière. Là, me suis pas par contre. Hein. Bon, on va faire le tour. Hein. On va faire le tour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Compliqué ce passage, hein. Très très compliqué. Moi je suis concentré, je parle pas beaucoup. Je cherche et quand je cherche, je sais pas faire deux choses en même temps et je fais de la merde sinon. Voilà, dans les catacombes. Et c'est peut-être là-bas la tour après, hein, après tout. Peut-être là-bas la tour après tout. Là où le connard était sorti. Fenêtre. Tac. Monte. Je ne suis pas là, hein. Hey, connard. Pas la bonne clé, hein. Il y a un cercueil là, je suis sûr que c'est là où elle dort. Quand est-ce qu'on pourra ouvrir ces portes? Allez, let's go. Allez, on se motive, on y va. Allez, on va y arriver, ça va prendre le temps que ça prendra. Et on y arrivera. Routine, GG. Allez, on les met dedans. Parce que au cas où, on sait jamais. Ah, tu viens pas là, hein, hein. Tu viens pas là, hein. Colas. Je vais récupérer l'embout du Lemmy. Cherche Rose dans le château, trouve l'appartement de Dimitri. Ange en bois. Ah! Ange en bois, qu'est-ce que c'est? Moi, je me trompe, hein. Objet de valeur. À revendre au gros. Voilà. Bienvenue ici. Oh, pardon. On va mettre sur... Du tout, il faut aller quoi, faut trouver ces appartements là. Des têtes qu'il faut là-dessus, c'est pas... Ah non, c'est clé de la tour. Hein. Elle est cette porte là. Tac. On pourrait être projeté, je suis d'accord, mais j'en ai plus. Ah oh putain. Ça fait flipper la connasse. Ça fait flipper. Ouais, suis-moi, je sais où il y a des fenêtres. Moi. Il y a une fenêtre là. Je sais pas.
Et où je vais? Là, une fenêtre, je peux pas tirer dedans. C'est nul. Ah. Rien ne se passe. Pas du tout, il faut aller. Hein. Et pas du tout, pas du tout. Planqué là, on va faire un petit point de sauvegarde. Naturellement. Déçu vraiment? Ça me paraît pourtant parfaitement honnête. J'ai hâte de voir les fruits de votre exploration. Et là? C'était là. Il y a un ascenseur, il y a rien qui se passe quand j'appuie dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cet ascenseur? Mystère et boule de gomme. I don't know everything, un truc à lire. Déjà. Tu essaies de m'ouvrir l'appétit, c'est ça? Carmine, ça sert ça? Objet de valeur. Ça sert à rien. Bon, cet épisode va pas être terrible, hein. Je fais que chercher les trucs quoi. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Pas de raison. Mère te trouvera, mais je pense que tu es ici. T'as dit quelque chose? Bloque le passage maintenant.
Oui. Ça ne sert à rien cette clé. Hein. Là. On va bien se concentrer et regarder où on arrive quand on fait tout le tour. Bon, on va trouver le truc et elle va pas nous suivre là où il y a les fenêtres. Une porte elle s'ouvre pas. Génial. Ça sert de mettre des portes qui s'ouvrent pas, je vous le demande. Parce qu'au cas où des fois on a pas tout trouvé. En fouillant. Ah, les trous qu'ils font, eh. Vous avez vu ça? Oh, impressionnante. Donc là on est là. Ok, on va aller là-bas, on monte. Ok. Là, la porte qu'on peut pas ouvrir. À gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Il faut forcément aller à droite ici. Là, ici, qu'est-ce qu'il y a? Là-bas, il n'y a rien. On va passer là pour venir ici. Hop, là, ça, on l'avait pas pris. Les chevrotines en plus. Que demande le peuple? Tout le demande. On va monter. Là, on va arriver du coup. On a tué l'autre bidule. Et tac tac tac. Et on arrive donc. Hop, ok. Et on arrive. Ok. On arrive dans cette pièce là et ça fait arriver avant l'escalier ici à droite de la cheminée de statue. Ok, et tu peux revenir toi, t'es où? Là ça montrera plus hein. Ah non, trop facile. Piti. Et où? Et où les piti? Gouzi. Ça me fait flipper à chaque fois. Allez, suis-moi. Mère te trouve rance, mais je pense que tu es l'ici. Moi, ici, ok, escalier, cheminée, moi. Elle me suit pas, connasse. Vous avez vu? Elle me suit pas. Oh, saloperie.
Saloperie, saloperie. Il y a un truc à faire ici, hein. J'aime pas être bloqué comme ça dans un jeu. Je ne tiendrai pas jusqu'au dîner. Et suis-moi. Viens. Oh, chargement. Oui, un chargement. Ah, yes. Ah, génial. C'est bon, on a trouvé les gens. On va pouvoir remettre un peu d'action là-dedans. Là, ils me suivent pas dehors, hein. Là, elle flippe sa mère, hein. On doit retrouver une clé pour ici. Là, c'est quoi en face? C'est une porte ou pas? Non. Viens ici. Porte encore. Oh putain, c'est Daniela. Et Daniela, les gens. Il va mollo mollo. Il m'attendait depuis tout ce temps. Quelle ambiance, hein. Moi je dis discret. Fenêtre ici, à retenir les fenêtres, hein. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Rien fait, moi. Je te promets, c'est pas moi. Moi j'étais en train de dormir, moi. Du coup, plus tout à l'heure, en fait, on a la carte pour voir où c'est. Pas le réflexe de regarder la carte, Kyoshin. Oh, c'est dégueulasse. Oula, il y a un truc micmac à faire là. Les femmes sont insensibles aux avances des hommes, les paysans qui personne ne regarde remettent à nuire le fruit de leur labeur. Un puits couler. Et je crois que j'ai compris. Seigneur. Voilà. Et ouais. C'est easy. Ouais. On est sûr de descendre là-dedans? Pas trop trop sûr, moi. Bon, pas le choix, on va y aller quand même. Ça. Pas envie d'y aller là-dedans, moi.
Ah putain. Étonne, Ethan. Je peux construire des trucs. C'est bon. Oh putain, vous avez vu, il y a un truc qui est tombé. On va se faire bouffer dans l'eau là. Allez, on sort d'ici, on se casse vite. Putain, la pression. J'ai pas la table, GG Kyoshin. Merci The Walking Dead. Je reste par terre. Pas le problème. Yes, c'est bon ça. Pourquoi tu veux fermer ça toi? On va bientôt affronter Daniel là. T'as rien de fermer ça, pourquoi tu fermes ça? T'as un capital de tour qui va arriver, on va se cacher. Allez, pas peur de rien moi. Dégueulasse. Oh mon dieu. Fait flipper. C'est malin avec le truc. J'adore ce jeu. Je flippe mais j'adore ce jeu. Une plante, yes. Reste sur nos gardes. On esquive à droite, à gauche. Putain. Pourquoi je passe. Oh là 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 là. Il loot pas mal de crânes de cristal hein. Bah ça repose pas grand chose mais c'est déjà ça. Yes. Charge. Là. Là. C'est beau quand même hein. On voit rien mais c'est beau. Je me fais rire tout seul. Pour cet épisode, je vous préviens, on va tirer un peu plus longtemps que les autres. Je pense qu'on va aller. Sur... Bah oui, Ethan, fais attention, on va aller sur, sur l'heure. Où Daniela? Plante-toi, Ethan. On se cache, on ne voit pas. Pas bien caché, je pense, là. Hein. Elle nous a vu dans le miroir. Mère Miranda, j'ai le regret de vous informer qu'Ethan Winters a échappé à cet imbécile d'Eisenberg. Elle nous a vu, car c'est il sûr, est dans mon château et il donne beaucoup de fil à retordre à mes filles quand je le trouverai. Non, Mère Miranda. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'elle nous a vu. L'importance de la cérémonie. Vous pouvez compter sur moi.
Calme-toi. Oh, diable, cette cérémonie. Cet homme va payer pour tout ce qu'il a fait. Hey, tu me connais pas, toi. Qu'est-ce que tu parles? Un berceau. Où es-tu? Mère Miranda nous a tous convoqués pour que nous parlions du sort du père de l'enfant. De nous, du coup. J'ai la nausée rien qu'en pensant à cette réunion familiale. J'ai horreur d'être traité comme la sœur de ces misérables. Surtout Heisenberg. Le faquin ne connaît pas les bonnes manières. Je l'aurais découpé en morceaux si mère ne m'avait pas arrêté. Pourquoi me traite-t-elle comme les autres? Elle m'a pourtant donné ce château, des filles obéissantes et une vie éternelle. Ne suis-je pas sa préférée? Ne suis-je pas spéciale? Je crois que j'ai besoin d'un verre. M'étonne. T'es déjà géante. Pas un verre qu'il te faut, c'est un bidon. Bonne villageoise. Verrouillé. Ouais, je sais que c'est verrouillé. Allez, c'est verrouillé aussi depuis l'autre côté. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Ah, la clé. La clé de Dimitrescu. On arrive sur les appartements. Oh merde. Te voilà. Tout ça pour une enfant qui ne se trouve même pas ici. Mais qu'est-ce que vous me voyez? Oh lolo, je suis pas bien. Créature ingrate. Tu t'invites chez moi. Tu poses tes sales mains répugnantes sur mes... De même défoncer ta fille. Voilà que tu essaies de dérober ce qui m'appartient. Comment oses-tu? Aïe aïe. Profite de cet instant de répit, parce que je vais te traquer et je vais te détruire. Mais je t'attends, moi. Viens, viens. C'est ça. Pas peur. Et c'est toujours. T'as bien raison, Tan. C'est ça. Et c'est toujours. Et pas de con, Billy. Un petit caca. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Vous croyez que je vais me laisser faire? Allez, encore des balles, 28. Du-dum, du-dum. Pas bon souvenir à chaque fois qu'on a fait ça. Hein. On a actionné un truc là. Heisenberg nous a chopé. Il a mis face à Mère Miranda. Et on a joué un petit jeu. Que j'ai gagné. Oh shit! Comme si j'allais te laisser filer. Il m'a coupé la main! Tu finiras en morceaux. On avait presque trouvé Rose. Cet enfant. Je vais t'apprendre à insulter la famille Dimitrescu. Putain. On l'entend pas venir. Oh. Mais comment on va faire? Inutilisable. Bah ouais, mais comment je fais, moi? Sauvé. Et ouvre. Du jeu, hein. Allez, casse-toi. Tant que je repars ma main là, est-ce que je peux me recoudre la main? Oh, moi, c'est pas...
casque d'Angelin. Yes. Bon, je vais faire avec ton ma main droite. C'est impossible ça. Il a repris sa main. Je mets de l'alcool à 90, je prends la main, je la reblotte dedans. Mais c'est n'importe quoi. On est bien dans un jeu vidéo. Hein. C'est bon, je me casse d'ici. Et ta fille, tu l'abandonnes ? T'as pas entendu les pleurs, Ethan. T'as pas entendu les pleurs d'enfant. Y'a mieux ceux-là que les licans quand même. Pas ça, j'aime pas ça. Une de ces filles qui va arriver. Récupérer que un crâne pour l'instant. Il en faut. Il en faut 4. Génial. Elle m'a suivi, la connasse. Tu vois, te voilà. Ils sont tous là, les masques. Yes, génial. Okay. Pas mal de tension dans. Oh, j'ai eu peur. Mets l'armure, Ethan. Oui, je mets l'armure. J'ai peur que mes sœurs ne t'aient trouvé avant moi. Comment je fais quand il n'y a pas de fenêtre? Expliquez-moi comment je fais quand il n'y a pas de fenêtre. Qu'est-ce que ça fait? Où la sortie là? Qu'à faire là les gars. Casse-toi de là toi. Yes. Allez viens là toi. Sois maudit. J'ai. Elle est vorace, celle-là. Pourquoi? Non. Tu m'échapperas pas. Tu es mort. Moi.
Yeah, pompon. Espèce de sorcière de merde. Et de deux. Et deux sœurs, les gars. Deux sœurs. Faire des balles, je pense. Ok. Alors, voyons voir ici qu'est-ce qu'on peut faire. Là, on est bloqué. Rien. Ok, mais je pense qu'on a fini d'ici. Hein. On va pouvoir descendre. Et pécho Daniela. Très masque. Et on est enfermé. On va sortir là. Casse-tête, casse-tête. Ah, si on peut le remettre, c'est qu'il faut le remettre pour sortir. Hein. Et ça doit pas être un masque d'ange, hein, non, c'est pas un masque d'ange. Hein. Gaffe toujours si elle est pas là, l'autre là. Il y a une porte de Dimitrescu aussi là-bas. Hein. Musique qu'il n'y avait pas habituellement. Et des musiques comme ça, ça pue toujours. Te faire brader des balles pour rien. Merci le jeu. Ils remettent des trucs en... Ils repompent des choses, hein. Porte de Dimitrescu. Qu'est-ce qu'il y a là ? Oh, 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 Edge, plein tête.
Elle a pas dû faire du bien celle-là. Viens là toi. Regarde. Allez, on va aller à la porte. On a bien joué, on a bien tué, on a bien caché des balles pour rien. Ikkyoshin réfléchit. Ah, c'est pas la bonne clé. Fallait bien les tuer de toute façon. Fallait bien les tuer. Ça pue, hein. Ça pue grave. Putain, elle est là. Oh, je fuis. je fuis. Voilà, tuer elle, c'est impossible. Heureux de vous voir sain et sauf. Comment ça s'est passé? Aucun signe de Rose. Oh, vous m'en voyez fort désolé. Bah, vous retrouverez sa trace une fois que vous serez sorti de ce château. Tant que vous y êtes, avez-vous besoin de quelque chose? Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveau... au service. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Je sais. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. On prend un truc, les gars.
Ça devrait suffire. Ne faites pas attention à moi. Laissez-moi faire. Cool. Avec plaisir. À la prochaine fois. On monte en haut, je crois que j'ai repris un truc. On fait ça et on arrête. Tu vois ? Te voilà. Hop, ou pas ? Rapidement. Loupé. Loupé. Et vu que je voulais faire, je voulais mettre le trophée de chasse à la place ici. Et ça marche pas. Bon, c'est pas grave les gars, on va arrêter ici. Et on reprendra dans le prochain épisode. Bon, il a duré un peu plus longtemps que prévu celui-là. C'est plus d'une heure, je suis désolé, mais on a eu pas mal de recherches. Bon, allez les gars, on arrête ici, on se retrouve pour l'outro. Let's go! Voilà les Vikings, l'épisode numéro 4 est terminé, mais qu'est-ce qu'il était compliqué, je me suis paumé pas mal de fois. J'ai enfin récupéré la clé de Dimitrescu qui permet d'ouvrir certaines portes, on a réussi à aller dehors du château. Et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, je ne sais pas du tout, je pense que je vais regarder quelques playthroughs sur YouTube. Pas trop galérer comme ça à trouver son chemin. On a tué deux filles de Daniela, ça c'est merveilleux, on en a plus qu'une à tuer. Par contre maintenant Daniela est furax comme jamais et nous poursuit partout dans le château. C'est assez compliqué, elle nous a coupé même la main droite, j'ai peur à ce niveau-là, je savais pas comment ça allait évoluer. Par contre, Ethan, Rambo comme il est, même plus fort que Rambo, a repris sa main et l'a recollé sur son bras. Et maintenant, elle refonctionne. Je ne vous raconte pas la douleur. Donc, si vous ne voulez pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à la chaîne, mettez un gros pouce bleu bien barbu et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche des notifications. Ding ! Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée, une excellente journée. Tout dépend bien sûr à quelle heure vous regardez ce let's play. Et comme le dit le grand Odin, scroll à tous !